5h40, vendredi matin, le résultat tombe. Le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne. Pour les Britanniques vivant dans l'autre, c'est l'incrédulité. Ceux qui étaient pour le maintien dans l'Union sont choqués et dans l'incertitude. Alors, je suis complètement dégoûtée. Pour moi, c'est vraiment la mauvaise décision dans tous les cas. J'ai peur pour, justement pour la facilité de venir en Europe et tout ça. Les papiers aussi, je ne sais pas comment ça va se passer. Pour les banques aussi. Je pense que ça peut provoquer pas mal de soucis. Et c'est vrai que c'est un peu choquant, surtout que ça avait l'air d'être bon pour rester, mais c'était au milieu de la nuit que ça a changé. Voilà. Pour moi et pour notre famille, je crois qu'on a fait le dossier pour devenir française, pour garder la vie en France. Et du coup, là, ça va peut-être précipiter vos projets? Oui. Vous allez demander la nationalité française? Oui. D'accord. C'est les conséquences de ce Brexit? Oui, exactement. Mais il y a aussi des Britanniques favorables au Brexit. Celle que nous avons rencontrée était contente du résultat. Qu'importe les conséquences. Moi, j'étais pour la sortie. Parce que je trouve qu'il y a besoin de changement. Si c'est une bonne décision ou pas, ça le temps nous le dira, mais il y avait besoin d'un bon petit coup de pied dans la fourmilière et je pense qu'ils ont bien fait ça. Je pense que ce qui se passera, se passera. Moi-même qui suis britannique mais qui vis en France, mon statut en France me stresse pas en tout cas. Mais quelles vont être les conséquences pour l'économie locale? Depuis vendredi, la livre sterling a perdu 12% de sa valeur, une baisse de pouvoir d'achat qui pourrait toucher le tourisme notamment. Ce que l'on sait, c'est que les touristes disposant d'un certain type de pouvoir d'achat pourront le voir évoluer et peut-être que ça va brasser entre différentes gammes de prestations et que certains touristes seront intéressés par une destination ou une autre. Ceux qui partaient très loin vont partir moins loin peut-être, mais on va tout faire en sorte de manière à ce que le tourisme britannique reste puissant et conséquent pour l'économie locale. Du côté de la CCI de Carcassonne, c'est aussi l'incertitude, mais la baisse de la livre sterling pourrait impacter la compétitivité des exportations audoises. C'est vraiment l'incertitude et aujourd'hui, même la CCI Carcassonne peut difficilement vous dire ce qui va se passer. C'est simplement du bon sens par rapport au pouvoir d'achat qui est lié au décrochage de la livre sterling. Maintenant, on se dit aussi qu'il y a au moins 2 ans, voire 10 ans de négociations avec le Royaume-Uni pour parvenir à des accords. Donc la première répercussion, elle est financière puisqu'elle est liée à la livre en direct. Mais on ne peut pas vous en dire plus dans l'immédiat, c'est compliqué. Tout le monde est dans l'expectative depuis vendredi. Les répercussions économiques du Brexit dans l'Aude sont maintenant suspendues aux négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.